Salut! Depuis que je suis tout petit, d'aussi longtemps que je me souvienne, à chaque fois que moi et mes amis on voyait passer un camion, je faisais toujours ça avec mon bras. Je me souviens comment c'était la fête pour nous à chaque fois qu'on avait réussi à faire chanter un camion. Hein? C'est comme si le camion nous disait bonjour. Bonjour! Mais aujourd'hui, ça arrive de moins en moins, parce que d'ici quelques années, il va manquer 52 000 personnes dans l'industrie du camionnage. 52 000, c'est le nombre d'habitants qu'il y a dans une petite ville. C'est le nombre de biscuits que je mange dans un mois. J'aime ça les biscuits! Puis 52 000, c'est le nombre de fois que je cligne des yeux en 6 jours. J'ai compté. J'ai beaucoup de temps libre. Mais pour ceux qui se demandent, l'industrie du camionnage, c'est quoi ça? C'est 10 000 entreprises de transport routier qui parcourent nos belles routes du Québec, 90 % des employés qui travaillent à l'année et à temps plein, plus de 80 % des employés qui détiennent un emploi permanent. Pensez-vous que je serais un bon camionneur, moi? Si c'est le cas, moi je veux être Optimus Primus, le chef des autobots. Ouais, parce que c'est comme conduire un camion, puis des fois, tu conduis un robot, ou en tout cas, t'es juste dans un robot comme... En tout cas, ciao bye, moi j'y vais. Dans mon camion. Back up. Salut les papayes! Hein? J'ai dit le mot papayes. J'ai appris que dans l'industrie du camionnage, tu peux faire d'autres métiers qu'être camionneur. Comme par exemple, tu peux être conducteur de chariot élévateur. Ça, c'est quand tu veux transporter des objets hyper lourds, mais avec un petit tracteur d'intérieur. Tu peux aussi être courtier en douane. Hein? Ça, c'est comme être le douanier des marchandises. C'est que tu vas voir les boîtes et tu dis « Hey, la boîte, as-tu tes papiers? » Tu peux aussi être débosseleur de véhicules lourds. Ça, c'est quand tu enlèves les bosses sur les camions. Hein? C'est quand tu as la bosse des bosses. Hein? Le spécialiste des bosses. Un peu comme le Jean-Luc Brassard des bosses. Sauf que là, tu enlèves les bosses. Tu sautes pas dessus les bosses avec tes skis. Là, parce que là, si tu sautes avec tes skis sur un camion, le monde va te regarder. Oh, c'est que ça va, lui, avec ses skis. C'est comme on va te regarder bizarre. Bon, moi, j'aurais peur. Sauf qu'il perd. Tu peux aussi être boss, comme directeur ou cadre supérieur. Quand tu es cadre supérieur, tu as ton bureau. En haut de ton bureau, il y a comme une photo de toi dans un cadre, hein, comme une inception de cadre. Tu peux aussi être instructeur. Quand tu es instructeur, tu es formateur. Tu peux aussi être coordonnateur en transport des marchandises. Ça, c'est plus quand tu es du genre esprit d'équipe. Ça, puis plein d'autres métiers. Puis tous ces métiers-là, ça rentre dans 52 000 postes. Hein, fait que pas de chance de devenir un bougon. Quoique... Il n'y a rien de mal à ça, là, de devenir un bougon. Si tu veux en savoir plus sur la formation, tu peux aller sur le site web choisitaroute.com ou la page Facebook de Choisis ta route. Quand je pense Choisis ta route, trouvez-vous que ça fait un titre un peu reggae? Hein? C'est peut-être reggae un peu. Hein? Ce serait le bon titre d'une chanson hein, comme Choisis ta route, vas-y coûte que coûte, allez ce midi on casse la croûte. Choisis ta route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Bon, je vais travailler un peu les paroles, puis vous allez voir bientôt, là, ça va être pas pire.